bien bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techtopia Railroading. On va commencer à l'appeler comme ça, hein, parce que comme on a un petit peu démarré Immersive, on n'en est pas encore à faire du Immersive Railroading, mais ça ne va pas tarder. Donc, épisode numéro 4, juste avant le live numéro 4, on va faire quelques petites choses préparatoires au live, des choses qu'on ne va pas montrer dans le live. Et en particulier, je pense que il va nous falloir des perles de laine pour les conduits d'Underrail. Les conduits d'items. Donc je vais me faire une mini ferme à mob, un peu comme dans le style du Skyblock, et je m'étais dit, vu qu'il y a une butte ici, peut-être que ça serait sympa, enfin ça serait faisable assez facilement de se faire un petit... j'ai même pas de pelle. De se faire un petit tunnel par ici, et puis d'aller se fabriquer ça sous la montagne en fait, sous la colline qu'il y a juste derrière. Donc c'est un peu la dèche en fer, hein, donc outil en pierre, mais bientôt on va être super armé. Alors je disais qu'ils venaient pas souvent, hein, les PNJ, mais bon, j'ai été mauvaise langue, ou alors du coup ils m'ont entendu, et il vient chercher ses betteraves pour faire la soupe. Alors, on va partir par là. Ce truc là on va l'utiliser pour... ça ne va pas être perdu. Il est où le truc moussu là? On va l'utiliser pour faire l'entrée. Hop. Ah, ce qui serait bien, c'est d'avoir aussi de la cobble ici, parce que... Ah, zut. J'ai enlevé une torche. Donc, attention. Et on va se faire, bien entendu, le toit aussi en cobble. Donc là, a priori, ce serait plus mieux d'avoir de la cobble. Alors, on va mettre un petit coup de... Alors là, on le met en minimal. C'est plus pratique. Hop. Là où j'en ai pas besoin. Hop. Voilà. Et puis là, je creuse ça. Alors je ne sais plus à combien il faut que je parte. Au moins une trentaine de blocs. Et je creuse ça, j'installe le système et on se retrouve une fois que c'est fait. Bon, pas de chance. La montagne n'était pas assez profonde. D'ailleurs, il y a une espèce de route ici. Est-ce que je suis assez loin, là? Parce qu'en fait, hein, il faut être assez loin pour qu'ils puissent spawner, puisque si on est trop près, on les empêche de spawner. Donc je vais peut-être me fabriquer une structure un petit peu tout en cobble, juste ici. Et que je recouvrerai après avec de la terre pour que ça soit plus ou moins caché. Ou alors je la fais enterrer. Ah ouais, je vais faire ça. On va l'enterrer en dessous. Ouais, comme ça sera, parce que c'est pas forcément joli à voir. Donc on va se faire un petit système comme ça. Je rebouche. Hein. Hop, ni vu ni connu. Je dois avoir du brin de granit là. Allez. Hop. Et puis là, ça va partir en tunnel. Alors c'est super, j'avais juste oublié un tout petit détail, c'est que pour qu'une une ferme à mob fonctionne, il faut que ça soit quand même un minimum torché dans les alentours. Donc j'ai un petit peu creusé depuis ma petite ferme, j'ai trouvé des galeries pas éclairées. Oh, puis il y a du monde, hein, bien sûr. Alors je m'aide un petit peu de journée map qui est toujours aussi buggée. Ouh là 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 là. Alors j'ai ma petite ferme qui est là-haut, je crois. Donc on voit un petit peu en noir tout ce qu'il y a à torcher. Hein. Allez, à plus. N'empêche, ça nous rajeunit, hein, ces histoires-là. Hein, parce que ça faisait un moment que j'avais pas fait ce genre de truc, quoi. J'ai ramené pas mal de trucs, hein, de ma petite expédition. Alors malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Je suis tombé dans un trou et il y a un creeper qui est arrivé. J'avais pas d'échappatoire et paf, 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 paf. Allez, on va vite effacer ça. Supra.
pour plus en entendre parler, c'est qu'un mauvais souvenir. Donc j'ai pas mal de minerais. C'est surtout le cuivre, hein, je crois, pour immersive, qui va être un petit peu obligatoire. On va le cramer directement dans un four, hein, pour avoir du copper ingot. Si j'avais moyen de me faire un crocheur, évidemment, ça serait plus. Ouais, puisque ça en donne deux, ça double. Mais bon, le crocheur, c'est pas encore tout à fait ça. Oh, c'est rigolo ça. Pour faire des alliages. Le alloy kiln. Pour faire des alliages dans Immersive Engineering. Ah, intéressant. Ça remplace les alliages Tinker, puis peut-être l'alloy Smelter. Donc j'ai, du coup, après je me suis vengé, j'ai tué quand même quelques creepers parce que de la zut, hein, de la zut, de la zut, de la zut. Bon, j'ai plein de fer, j'ai un petit peu d'or, j'ai récupéré pas mal d'inférium parce que j'ai démarré à faire des graines. C'est bon ça. Ouais. Mais bon, ça va, ça en mange beaucoup. Donc là, j'en ai ramené un stack. Vous allez voir que ça va partir. Pop, pop, pop. Comme il en faut 8 à chaque fois. 13 quand même. Bon. Allez, fini les patates. Encore 5. Ah bah, et mon champ est bientôt complet. Il n'y a plus que 2. Non, 4. Et mon champ est complet. Bon, bah, ça va commencer à fournir, c'est bien. J'ai aussi planté du chanvre. Alors lui, on peut pas l'avoir avec le double clic. Du coup, on récupère plein de graines. Si jamais on se fait un. Alors les graines, je sais plus dans quoi c'était. C'était un distiller, hein, je crois. D'immersive pour pouvoir faire derrière éventuellement un générateur diesel, je sais pas si je vais refaire un générateur diesel ou tu te flopper d'éoliennes là. C'est à la mode ça, les éoliennes. Bon, allez, on continue notre. J'ai plus de. Non, sinon j'en aurais remis là. On continue un peu de récupérer un peu tout le matos pour qu'au prochain live. On construise les engins qui vont bien. Hein. Hop. Bon, ben c'est bien, ça commence à donner un petit peu. Mon premier creeper. Ou le deuxième peut-être. Oh, ben. Il a fait pchit. Ah, mais ils font peut-être peu pchit. Il peut pas me voir là, hein, puisque c'est rouge. Il peut pas me voir. On est d'accord. Bon, on a dit qu'on comptait plus le nombre de morts, hein, je crois, parce que là, ça commence à être bien mieux torché. Ah, il y a encore des petits points rouges là, mais c'est dur. Hein. Alors, j'ai quand même récupéré pas mal de cuivre, c'est quand même l'avantage. Puis de quoi décorer. J'ai aussi un champ. Eh ben, qui commence à bien donner, et un plus petit par ici. Alors j'ai été obligé de le protéger, de le fermer, parce que en fait les fermiers continuent de venir et ils viennent cueillir les graines, enfin les fleurs, l'essence, mais ils ne les récupèrent pas dans leur inventaire. Donc la graine et l'essence restent par terre. Donc si je suis pas au passage, si je passe pas tout de suite derrière, bah, ça dépop et c'est perdu. Ça laisse des petits trous. Du coup, bah, j'ai fermé le champ pour plus qu'ils viennent. Alors est-ce que c'est parce que avant c'était un champ de patates et ils ont gardé la mémoire, ou est-ce que ils voient une plante, ils disent hop, je vais la planter. Bon. Je leur soupçonne de faire la même chose sur le chanvre. Mais comme c'est moins gênant, parce que bon, je récupère deux graines à chaque fois que j'en casse un. Pop. Ouais. Donc, des graines, j'en ai plein. C'est pas comme les graines d'essence d'inférium où c'est un petit peu plus galère. Là, c'est. Voilà, j'en ai 5. C'est impeccable. Bon, ben, hop, on continue.
Et on se retrouve après ce quatrième live qui s'est bien passé. Japa mouru, ce qui est déjà pas mal. Il marche toujours pas lui ce truc là. Hein. Le centrage. Pop. On a été découvrir. Voilà. Explorer. Une mine abandonnée. Il en reste encore des bouts. Hein. J'ai pas tout fait. J'ai l'impression que. Ouais, il reste encore des bouts de la mine abandonnée. Donc tout ça pour l'éclairer, puis essayer de voir si on ne pouvait pas glaner un peu des trucs intéressants dans les trésors. Bon, à part des engrenages en bois, des wooden gear, il y avait quand même pas grand chose. Ah, je crois que j'ai quelque chose dans ma ferme à mobs là. Intéressant. Hein. Alors que là, du coup, il y a encore des mobs. Bon, au niveau éclairage, ça commence à être de mieux en mieux. Il va falloir, je pense aussi, à un moment donné, éclairer un petit peu l'extérieur pour que bah, justement ma ferme à mob elle ne soit pas uniquement fonctionnelle que le jour parce que c'est un petit peu restrictif. Alors après on a joué aussi un petit peu avec les avec immersive, mais on verra ça tout à l'heure. Donc on commence à avoir une belle collection de têtes et ce qu'il va falloir que je fasse. Ah bah ouais, il y a quelqu'un. Alors, il va pchiter et... Ouais, j'aime pas ça. Je pense que je vais le repasser. J'avais fait un essai en le mettant à 2, pour que ça spawn plus. Mais en fait, je pense que c'est pas une bonne idée. Je vais le remettre à 1 de largeur, mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs bandes. 3 ou 4, hein, on va voir. Pour avoir quelque chose d'efficace. Et j'ai déjà eu mon premier Enderman. Est-ce que j'ai quelque chose là? Ouais. Oh. Salut Valentine. Je me demande bien ce que tu fais par ici, parce que la mine, elle est pas dans le coin. Hein. Des fois, ils nous font des drôles de trucs. Où est-ce que je l'ai mis? Bah dans Mystical, je pense. Voilà, ma première perle de l'Under. Plus que 3, et puis je pourrais en... Plop, 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 plop. Je pourrais en dégommer. Au passage, on commence à monter... J'ai 3 tiers 3, il me faudrait un tiers 3, un tiers 4, un tiers 5. Tiers 5 pour les émeraudes. Donc je suis en train de monter doucettement les essences pour arriver au tiers 5. C'est long quoi. C'est long, mais on a les champs qui commencent à pousser, à s'étendre. C'est tout bien. C'est tout bien, c'est tout bien, c'est tout bien. Alors au niveau machine. Parce que ça, c'était une chose. Au niveau machine, on s'est donc fait une petite éolienne. Pop, pop, pop. Pour avoir du jus. Pour avoir du courant. Parce que pour faire les premières machines d'Industrial Forgoing, bon, bah, il faut du plastique. Pour faire le plastique, il faut du latex. Pour faire du latex, il faut extraire la sève des arbres. Alors, même le chêne, hein, ça marche. Pop, 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 pop. Fluide latex. Bon là j'en fais un petit peu en avance. Le truc boss. Pop. Il va juste falloir l'alimenter en flotte. Hein. Mais bon j'en ai 53, il faut 9, etc., etc. Il faut en cramer 9 de tiny pour avoir du dry rubber. Enfin non, il faut en crafter 9 pour avoir un dry rubber. Le dry rubber on le met dans le four et ça donne du plastique. Pop, pop, pop. C'est pas bien compliqué. Faut juste alimenter le bazar en eau. Donc un de ces quatre, je ferai la pompe. Il y a une pompe dans Immersive Engineering. Pour l'instant, on charge à la main, mais bientôt, on pourra s'installer une petite pompe qui fera ça automatiquement. Après, du plastique, je pense qu'une fois qu'on aura toutes nos machines, on n'aura plus besoin de beaucoup. Alors, pop, 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 pop. Je vais récupérer de la flotte. Donc, une fois qu'on a eu ça, on a pu... J'ai fait une bêtise, non? J'ai récupéré un truc. Ah, j'ai récupéré un... J'ai récupéré du brin. Bon, on s'est fait un plant gatherer. Alors, il faut juste l'alimenter en énergie. Donc, je pense que ici, ça va se transformer en poteau d'éolienne. Ah. Tu vas servir à quelque chose, toi, l'arbre. Bon,
Non pas qu'il ne servait à rien. Un arbre, c'est toujours utile. Mais bon, il va se transformer en poteau d'éolienne. Et du coup, il va falloir qu'il soit dirigé par là. Oui, ça devrait aller. On mettra l'éolienne par ici. Et donc ici, il y aura le câble d'alimentation qui viendra alimenter ce récolteur-là. Et je pense qu'on mettra un autre récolteur ici. Je me demande si ça pousse pas plus vite en bas. Ils sont mieux situés, ils ont mieux le soleil. Bizarre. Donc j'ai deux petits champs. Poup, poup, poup. Ça va commencer à donner des graines. Tout ça, ça va être impeccable. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre au niveau PNJ? Le problème, c'est qu'on manque d'émeraude. Parce que d'une part, le marchand, ce qu'il demande, c'est pas tout à fait ce qu'on produit. Alors, le marchand pourrait arrêter de courir après. J'ai créé un petit panneau boutique. Donc, merchant stall, un truc comme ça. Oh, il y a un petit cœur là-bas. Qu'est-ce qu'ils me font comme cœur? Parce que là, c'est comme j'ai pas d'émeraude pour leur donner des métiers et tout ça. Ah non. Ah non, il était là. Ok. Voilà, un petit cœur. Pop. Je commence à en avoir pas mal. Les pièces qui ont les bonnes tailles. Je rajoute aussi autant de chaises qu'il y a de PNJ. Donc là c'est une 6 places, donc il y a 6 chaises. Parce que ils aiment bien s'asseoir sur les chaises, apparemment ça leur fait du bien pour leur bonheur. Donc on fait ça petit à petit. Et là j'en ai 5 de cœur. Alors j'ai réussi à le choper hein, le marchand, donc ça coûtait 28 émeraudes. Donc j'ai réussi à lui vendre de la redstone. Et ça c'était assez juteux. Mais sinon il demande des trucs, c'est un peu chaud. Donc il va falloir qu'on améliore un peu le système de porte, parce que je pense que il spawn quelque part mais il n'arrive pas à rejoindre le village. Donc du coup il disparaît et on peut pas faire d'échange avec lui. C'est pas super pratique. Donc la palissade c'est bien pour... On a vu la porte s'ouvrir là-bas, non hein. La palissade, c'est bien pour protéger, mais ça a des inconvénients. D'autant qu'on est au crépuscule, là. Qui c'est qui? Oh, c'est le forgeron. Alors, eux, ils comprennent pas la notion de palissade, hein, parce qu'ils ont la limite du village qui est assez loin. Donc, ils se baladent un petit peu partout. Ils voient une porte, ils peuvent l'ouvrir. Ils s'embêtent pas. Hein. D'ailleurs, vous avez vu qu'au passage... Oh là... Ça c'est quand je... moi je suis pas venu là. Faut vraiment se méfier avec cette histoire là. Au passage, ici vous avez remarqué que j'ai installé ce système là. Hein, parce que le portillon ça va pas du tout, il les ouvre. Hein. Donc il continuait à venir me récolter mes plantes. Mais comme c'est pas dans leur définition des plantes, il les récolte mais il les jette par terre. Donc je perdais la graine, je perdais l'essence. Si j'étais pas dans le coin, c'était réellement perdu, quoi. Et ça m'a un petit peu énervé. Ah, j'ai des graines. De temps en temps, on a des graines. Donc, pop, pop, voilà. On augmente notre champ, et on augmente nos capacités de production. Ah, Mélie surveille. Bon, ben voilà. Voilà un petit résumé rapide du live hein, que vous pouvez aller voir si vous avez envie, c'était assez cool. On s'est bien amusé. On va donc maintenant préparer le live numéro 5. Donc j'en dis pas plus hein, pour pas. Ah oui, alors il y a le trick rigolo. Oui, Dylan il aime bien ça, mais les autres, il y en a d'autres aussi qui viennent se faire piéger. Si vous voulez piéger les PNJ de Techtopia, vous leur installez. Alors un petit bloc et puis un pot. Et ils viennent se mettre ils viennent se bloquer devant le pot. Pop 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 pop. Il y a la grande sorcière qui me l'a fait aussi l'autre coup, Constance. Elle est venue se figer là et elle bouge plus. Pour le débloquer. Oh, Amélie est en train de se bastonner avec des... Mais où elle est? Elle est à l'extérieur, mais elle est malade. Puis il y a l'autre qui a été la rejoindre. Elle est où la porte?
pas refermé quand même. Comme je suis en normal, ils peuvent pas passer. Bah, elle est partie loin pour se bastonner. Ah, puis alors, il y a l'autre qui fait des invocations pour... Mais c'est hyper dangereux, ça. Il y a du creeper, il y a des squelettes. Elle va mourir, cette andouille. Qui me tire dessus là. Ah ouais, il est là. Bref, faut qu'on éclaire. Hein. Ça y est. Mais arrête de courir après tous les zombies, tu vas mourir. Ah, surtout qu'elle se prend des. Elle se prend des dommages, quoi. Allez, arrête maintenant, tu rentres à la maison. Oh, creeper. Bon ben voilà. Bah du coup, là-dessus. Ah non, elle est partie à se rebattre. Bon ben j'espère qu'elle va pas mourir. Hein. J'espère que je la tape pas quand je fais des coups comme ça. Bah, regardez où elle en est. Elle a 4 points de vie. Allez, rentre à la maison. Bon, la seule solution pour s'en tirer, ça va être de faire passer la nuit. Hein. Où est... Non, je vais passer là. Hop. Ah, zut. Normalement, ça passe. Ouf. Bon. Ça m'énerve, ce truc. Voilà. Technique de base. Top, il faut que je trouve une chambre. Nickel. Oups. A priori, il n'y a personne de mort. On va aller voir l'ampleur des dégâts maintenant. La porte est là-bas. Du mob là. Elle a dû rentrer. Hein. Ah non, ça c'est c'est Luc. Mais, venez tous vous balader là, hein. C'est absolument pas dangereux en plus, hein. On va faire plein de torches. Faut que je torche le truc, hein. Donc, on va bien s'occuper avec ça. Oh, j'ai bouffé du... Parce que là, il y a, mine de rien, il y a du boulot. Donc, je vais torcher tous les alentours sur un assez grand périmètre, hein, je pense. Et ben, on se donne rendez-vous pour... Donc, là, on va essayer d'économiser au plus possible, hein.
On se donne rendez-vous pour le prochain live. Et donc le prochain épisode, résumé, préparation et résumé du live. Sale bête. Pop, pop. Allez, bonne continuation, à la prochaine et salut! Oh, regarde le trou que t'as fait!